Bonjour, donc Anne Nasser, je viens d'arriver au musée archéologique de Saint-Laurent et avant j'étais responsable des collections au musée Gadagne à Lyon qui est le musée historique. Je suis chargée de l'action culturelle au musée archéologique Saint-Laurent, donc en gros je m'occupe de la programmation événementielle, des animations auprès du public scolaire, jeune public, mais également des collections et de l'exposition permanente. D'abord parce qu'on est voisins. Et ça, c'est la première raison. Et on a décidé de faire des scans 3D et des impressions 3D de vertèbres d'un individu. À modéliser parce que quand on les regarde, quand on remonte la colonne vertébrale de cet homme, on se rend compte qu'elle est très abîmée et qu'il y a une vertèbre qui est quasiment de ce taille-là, une forme de galette. Ça forme un angle droit dans sa colonne vertébrale. On souhaite valoriser la compréhension d'un certain nombre de squelettes. En fait, le squelette, quand on apprend à l'étudier avec le regard d'un anthropologue, on identifie un certain nombre de déformations ou de traces sur le squelette qui nous donnent des éléments de compréhension sur l'individu. Et ce qui est intéressant là avec ce projet, c'est que en imprimant en trois dimensions ces vertèbres, le public va pouvoir se rendre compte de la problématique de la colonne vertébrale plutôt qu'une photo. Voilà, il va pouvoir vraiment manipuler les facsimilés d'os pour se rendre compte quel était le problème de l'individu. Alors on avait fait des tests et le rendu était vraiment plutôt bluffant. Bon, tu vois que c'est du plastique, tu vois qu'en plus on va utiliser une couleur différente pour pas choquer non plus le visiteur sur la manipulation, pour vraiment se rendre compte que c'est un matériel de médiation. Mais au niveau du rendu, moi j'ai été assez scotchée en fait de la finesse du rendu. Donc on peut aller très très loin grâce au scan et à cette impression, on peut avoir les petites aspérités, les porosités de l'os qui apparaissent. C'était 2013 avec Confidence d'Outre-Tombe, l'exposition qui avait eu lieu au musée Dauphinois. Elle était super et d'ailleurs on réutilise beaucoup d'éléments, enfin quelques éléments qui étaient dans l'exposition qui avait été créée par la Casemate. C'est des interviews, des dispositifs interactifs, etc. Donc voilà, il faudra venir voir ça. Et moi je suis très contente en fait de pouvoir retisser des liens forts avec la Casemate parce qu'on est voisins et je pense qu'on peut faire plein de choses ensemble.